Tous ceux qui sont au RP, j'ai fait toute la Côte d'Ivoire, pas encore au Nord. J'ai vu un peuple décidé qui est prêt à faire la paix, à bâtir la Côte d'Ivoire telle que le veut réellement le président Babo Lora. Babo, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ceux qui sont loin, là, ils ne comprennent pas. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ce sont ceux-là qui doivent vivre en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est Babo Lora, c'est la Côte d'Ivoire. Un homme qui n'aime pas l'esprit tribaliste. Sa religion, c'est la Côte d'Ivoire. Sa définition, c'est la Côte d'Ivoire. Je le dis avec sincérité, monsieur le secrétaire général, toute la délégation du FPI. On aurait pu dire que parce que je suis du FPI, que c'est à cause de ça que je fais son éloge. Babo Lora, c'est l'exception. Quelqu'un qui a accepté de souffrir, monsieur le chef, pour la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous dire, les Blancs, mes derniers rêves, les Blancs qui l'ont envoyé là-bas, là, allez dire ça au président Sangaré. Ce sont les mêmes Blancs qui vont le faire venir. Les mêmes Blancs qui vont le faire venir. Vous savez pourquoi? Je vais laisser ce développement-là à Bakar. Parce que bientôt, ceux qui ont cru que la Côte d'Ivoire n'existait pas, ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas d'Ivoiriens, ceux qui ont défini la Côte d'Ivoire à partir de leur poche, leur poche va être trouvée bientôt. Mon jeune Abubakar est tellement éloquent, si tu me laisses la parole, on ne va pas quitter ici. Mais je vous dis, de la même manière que Babo est parti, c'est la même manière qu'il va venir. Et il va rester encore 3 ans, il va nous dire, il va désigner celui qui va succéder. Croyez à ça. C'est le message que je voulais vous apporter. Ceux qui n'ont pas compris encore que la Côte d'Ivoire de demain est là, il a été toujours là. L'homme à qui on a confié le pays, c'est un homme qui est très patient. On dira que c'est un homme d'or, c'est pourquoi je vais faire son éloge. Vous savez, un homme comme moi, là, je n'aime pas mentir. Abraham Sangaré, il faut l'applaudir. Je l'ai fréquenté. Pas en tant que FPI, mais en tant qu'observateur. Un homme singulier, un homme patient. Un homme accepté par lui-même et souvent aux autres pour s'accomplir. C'est ça, Abraham Sangaré. Je ne vais pas être trop long parce que moi-même j'étais pressé pour partir parce que ce que Abubakar va dire comme message ne va pas me combler parce que j'ai vu son document. Si je ne fais pas attention, je vais parler en travers. Mais préparez-vous, la Côte d'Ivoire reviendra bien, bientôt à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci.